Voilà, nous sommes à l'invention. Et je sais pas si on va voir. Ah ben, on va le. Voilà, on est bien. Qu'est-ce que tu vois là? On voit l'hôtel. On voit le château. Moi je vois rien. Tu vois pas le château violet? Le truc violet. Oh mon dieu. Voilà, donc là. Nous sommes installés. Oh, moi aussi j'ai eu chaud. Ça y est, elle vient de découvrir qu'on voyait le château. Moi, c'est la première chose que j'ai vue en arrivant ici. Et après, on a tout le buffet ici. Super bon, on dirait une petite montgolfière. Ouais, l'invention. C'est super bien fait avec les petits pains et le pain, bah le beurre de Isigny, qui était la ville de Disney. Walt Disney, la famille. Ils ont vécu là-bas. Alors je vous montre le buffet. Eh oui, moi je croyais que c'était un. Mon dieu, tout ce qu'il y a. Oui, oui, c'est là. Puis moi, sauf si tu veux une assiette Mickey. Regardez les assiettes. Ah ouais. Ils sont géniales. J'en sais rien. Mais ouais, je veux bien. Il y a des petites verrines. Même là, t'as vu le champ. Ça donne envie, ça. De quoi tu en prends à moi? Ouais. Non. Oh putain, c'est des fruits de mer. Mon dieu. Putain, t'as vu tout ce qu'il y a? T'as des moules, t'as des fruits de mer. On est bien des crevettes, moi, après, mais je sais pas si c'est bon. Si, de toute façon, ils sont obligés ici. Hein. Moi. Ah, t'as pas vu? Ah, ouais, je finis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des huîtres? Un peu plus. Non, pas du tout. Bah dis donc, ma petite assiette. J'ai pris l'assiette enfant, moi. Et la mienne? Quand je vais manger tout ça, on va se régaler. Mickey!
Donc on sort du resto de l'invention. C'était trop bien. Voilà. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai pu bouffer? Bon, maman, oh quand elle a vu. Fait régime. Oh là là, c'était tout bon. Bon, maman, quand elle a vu le prix, elle a été choquée. Non, aussi cher. J'ai dit, mais c'est bon, c'est moi qui fais cadeau de la maison. J'ai dit, non, mais c'est super cher. Et après, quand on s'est installé, qu'on a commencé à manger, qu'elle a vu les personnages, j'ai dit, ouais, c'est ça. Bon, bah en fait, ça c'est va. Les personnages. C'est les personnages. Ouais, en fait, ça va. Mmh. Et c'est pas mal d'être presque au dernier service, parce oui. Qu'au final, ils viennent. Hein. Voilà. Ils viennent deux, trois fois, quatre fois ils sont venus. Ouais, voilà, il y a certains personnages, ils viennent trois, quatre fois. Ouais. Franchement, on en a bien profité. Ah oui. J'en ai un meilleur souvenir. Dieu, je sais pas combien t'as de photos. Ouais. T'as 80. Ouais, j'aime pas quelles photos. Donc, j'ai des photos de Mickey qui me fait des bisous sur mon bidou parce que je lui disais qu'il y avait un mini Mickey dedans. C'est trop, trop mignon. C'était vraiment bien. Okay. Franchement, elle a bien mangé. Bon, moi, je mange toujours peu. C'est galère quand même. Hein. Ah oui. On peut pas dire que c'est la sleeve ce temps-ci parce que je mangeais plus avant d'être enceinte, mais pas grave. Oh, qu'est-ce que j'ai mangé. Et maman m'a fait goûter deux trois trucs, on s'est régalé. Oh oui. Les desserts, il y avait une tarte fruit de la passion, je pense. Ah oui. Elle déchirait tout. Franchement, vraiment très, très 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 bonne. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais le bilan avec vous du restaurant L'Invention, qui est le resto à volonté du Disneyland Hotel. Donc c'est un des deux restos qu'il y a, et je voulais faire le point avec vous pour vous dire ce que j'en pensais par rapport au prix et tout. Et en plus c'est un resto où on peut rencontrer des personnages. Alors le prix, c'est quand même quelque chose d'un petit peu excessif, il est à 69 euros. Ma maman, quand elle a vu le prix, elle me dit tu es malade, tu es folle, c'est ultra cher, c'est mort. Bon, après, comme j'avais prévu, j'avais dit à maman, mais t'inquiète pas, ce voyage, c'est mon voyage de rêve, donc je te l'offre. Donc voilà, donc c'est passé. Bon, après, c'est 69 euros, mais il faut savoir que mon passeport annuel, j'avais une remise de 15%. Mais bon, c'est quand même un budget, c'est quand même un coût assez important. Je le dis, je l'avoue, je le dis, voilà, il n'y a pas de souci, je dis, je l'avoue, je vais pas mentir, je ne vais pas dire, ah non, c'est pas cher. Si, si, c'est un coût élevé, mais franchement, c'est la première fois que je le faisais. Ça faisait très, 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 très longtemps que je rêvais de le faire. Il faut savoir que mon mari n'aime pas trop les personnages, donc ce n'est pas du tout son délire. Et vu que là, il y a plein de personnages, ben voilà quoi. Donc c'était mort de chez mort, il n'a jamais voulu le faire. Et là, quand je dis à maman, c'est mon voyage de rêve, donc on va le faire. C'était génial. Donc déjà, je vous ai filmé tout ce qu'il y a à manger. Vous avez dû voir, il y avait une avalanche de bouffe. Mais une avalanche, quoi. C'était de la folie tout ce qu'il y avait. Il y avait un choix immense. C'était super bon. Moi, j'ai pris l'assiette Mickey pour enfants. Hein, pas grave. Bon, moi, le seul problème, c'est que je mange peu actuellement avec ma grossesse et la sleeve, je mange vraiment peu. Donc, j'ai vraiment goûté, grignoté de tout, mais pas mangé en grande quantité, quoi. Donc, j'ai mangé un tout petit peu de tout, voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs que j'aurais aimé goûter ou remanger, mais ça passait pas, ça servait à rien. Maman, qui, elle, au final, avait les cheveux qui sont hérissés sur la tête quand elle a vu le prix, mais quand elle a commencé à manger, elle m'a dit « Ah ouais, c'est de qualité ». Et après, elle m'a dit, en plus, avec les personnages, ben, c'était juste génial. Nous, on a mangé assez tard dans les derniers services. Donc, c'était pour 21h30 qu'on avait rendez-vous parce qu'il n'y avait pas de place avant. Mais franchement, au final, j'étais dégoûtée de ne pas manger trop tôt parce que j'aurais voulu qu'on voie mieux le château et tout. Au final, on a eu beaucoup de chance. On était installés, on a tourné la tête, on voyait le château. Bon, après, c'est vrai que si on a vu le spectacle Illumination là... À cet endroit-là, ça aurait été waouh! Voilà, mais non, faut pas rêver, hein, parce que le spectacle était à 7h, donc là, nous, on était bien plus tard. Mais c'est vrai que si on a vu cette place pour le spectacle, ça aurait fait ouf, quoi. Mais c'est pas grave. L'avantage, là, d'être à 21h30, c'est que bah, les personnages, il y a moins de monde, donc les personnages reviennent plus souvent vers nous. Donc c'est ça, je crois qu'on a vu trois fois tous les personnages, donc c'est génial, on a pu prendre d'autres photos, on a pu en profiter plus, voilà, c'était top, j'ai pu passer des moments de fou avec mon Mickey ainsi que mon Bourriquet. Vous savez que je suis une grande fan de Bourriquet, donc Bourriquet est mon personnage préféré, et donc j'ai vraiment pu passer des super moments avec lui. De toute façon, vous aurez toutes les photos qui vont défiler, vous allez voir ça, voilà. Donc que vous dire, ok, c'est quand même un sacré budget. Si on est plusieurs, c'est quand même pas donné. Mais niveau nourriture, franchement, c'est vraiment de qualité. On mange super bien. Moi qui suis rapidement malade maintenant avec mon estomac,
suivant ce que je mange, bah là j'ai pas été malade, c'était génial, ça se voit que ouais, c'était de qualité comme je vous dis. Et après bah, on a vraiment un moment privilégié avec les personnages et je peux vous dire que vraiment, 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 on en a profité étant donné qu'ils sont passés 3 fois chacun nous voir. On a eu Mickey, Minnie, Dingo, Bourriquet, Tigrou et je crois que c'est tout. Voilà, on est avec ces 5 là. Mais voilà, on les a vus 15 fois si vous voulez au final. On a vu 15 personnages. Moi, je sais pas si vous comprenez. On les a vus, on avait ces 5 là, mais ils sont venus nous voir 3 fois. 3 fois on a passé des bons moments avec eux. Voilà, moi et mon bébé Mickey dans le ventre. Hein. Parce que bébé a été fait là-bas, il faut se rappeler. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est vrai que bébé a été fait à Disney. Coïncidence. Donc ouais, mon petit bébé Mickey, voilà. Mickey, j'ai dit, oh, il y a un bébé ici, il y a un bébé Mickey. Ah, voilà, j'ai réalisé un rêve de petite fille. La vidéo est terminée, je vous fais à tous de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!